reborn. Wow! Bonjour, frère, c'est comment? Ce que je vais vous montrer ici, moi, vraiment, j'ai jamais vu ça. Expliquez-moi. Ah! Une femme musulmane chasse les démons comme les chrétiens. Tiens! Elle fait la délivrance aussi. Hein? Non, quand j'ai vu ça, je vais me comme ça. Je dis non, what? Est-ce que c'est vrai? Il faut que je vous montre ça. D'ailleurs, comme nous sommes 50 000 ici, vous allez m'expliquer ce qui se passe. Alors, voir ça au studio. Mais voilà, ça, c'est comment? J'espère que vous allez bien, que vos familles se portent bien. Vraiment, ces temps-ci, il y a beaucoup de catastrophes naturelles dans le monde. Que Dieu vous protège, mes frères et sœurs, que Dieu vous protège. Maintenant, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Comme vous pouvez le voir, c'est comme à l'église. Quand vous chassez les démons, généralement, on fait la position des mains. On perd la main sur la tête des gens. Et c'est là la guérison commence, quoi. En fait, la délivrance. Regardez ça. On voit du monde, beaucoup de monde juste là. Apparemment, ils sont venus voir la guérisseuse, la guérisseuse. Maintenant, comment est-ce qu'elle opère? Nous allons tous découvrir ça ensemble. Regardez. Comme vous voyez, il y a des gens qui chantent, comme à l'église. Il y a aussi des... Comment on appelle ces gens, des personnes là-même? À l'église, comment on appelle les gens qui sont à côté du pasteur là. Oh, je... Comment l'autre, c'est là l'église, j'ai oublié le nom. Les gens qui sont... C'est ça le commando, voilà. Genre, on appelle le commando. C'est exactement comme à l'église. C'est à cause de la délivrance. Souvent, quand les gens sont agités, voilà, on a besoin des hommes costauds et durs, comme nous. Vous venez les arrêter. Ouais. Et... C'est de ça qu'il s'agit. C'est à peu près approximativement la même chose. Hein. Donc, c'est la femme qui est là, elle est face à une personne qui est censée être malade. Voilà. Elle lève la main exactement comme le pasteur à l'église. Elle fait une position des mains. Voilà. Et il y a des gens qui chantent. Comme à l'église, la chorale. Elle donne des ordres à un des documentaires. C'est du malin là. Oui, il voulait juste la caresser. Ah, elle me fait les trucs. Attendez. Oh. C'est comme à l'église quand le pasteur chasse les démons. Oh, c'est extraordinaire, tout le monde acclame. On dit, oh, c'est chic. Ça peut être la même chose, hein. Ou bien, ça peut être la même chose. Tiens, regardez le monde. Maintenant, on va vers une autre personne encore. Et elle regarde la personne.
Waouh! Quand toutes les personnes sont à terre. Waouh! Et les gens crient, hein? Les gens crient exactement comme à l'église. Vraiment, c'est pratiquement la même chose, la même chose, la même chose. C'est la même chose. Qui? Ah! Moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai jamais vu ça. Vous avez vu comment il réagit, non? C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça. C'est la première fois de voir ça. Je suis étonné. C'est vrai que je suis choqué, mais je suis un peu surpris, quoi. Ou bien non. Est-ce que les musulmans font ça aussi? Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu ça. Les musulmans font ça. Je dis, c'est la première fois. Je n'ai jamais vu ça. Je sais que les vendredis, ils font tout ça en mosquée. Mais. Ça, je n'ai jamais vu. Je sais que souvent à l'église là-bas, et plutôt à la mosquée là-bas, comment on appelle le dirigeant de la mosquée là? Donne-moi son nom, pardonnez. Comment il s'appelle? Le imam, voilà, c'est imam, non? Voilà, je sais que souvent le imam là, il prêche. Moi, souvent, il m'arrête et puis il écoute aussi. Ouais, parce qu'il donne le vrai conseil. Il donne le vrai conseil. Dès que tu sors de la mosquée en même temps, tu ne dois plus pécher. Mais je n'ai jamais vu ça. J'ai un truc comme ça, où les gens viennent, on chante, il y a le commando, on prie, on fait la délivrance, les gens sont dehors. Ça, on a déjà l'habitude de voir ça à l'église. Vraiment, vraiment, j'ai l'habitude de voir ça à l'église. Et la chose encore la plus étonnante, c'est que c'est une femme. Ou bien non, c'est une femme, une maman. Elle est simple. Elle est très très simple. Et puis, regardez quoi, vraiment. Elle est vraiment, vraiment, elle est pied, son corps est bien couvert. Elle a mis foulard sur sa tête. C'est pas comme c'était une femme pasteur à l'église qui monte, qui porte un pantalon. On va laisser. Nous, on va aller la prêter là. Ah! Elle est simple. Regardez. Rien ne peut attirer. Regardez les gens en souriant. On a l'impression qu'elle fait ça parce qu'elle aime les gens. Vous voyez. On a l'impression qu'elle fait ça parce qu'elle veut aider les gens. Vous voyez. Mais quand on est face à un démon, on ne veut pas. Regardez bien ici encore. Ça. Regardez comme son visage a changé. Ah. Faut pas se fier aux apparences, hein. Regardez comment son visage a changé. Wow. De la façon qu'on veut chasser un démon aussi, faut pas rire. Tu veux pas aller chasser un démon et puis tu arrives. Eh, démon, c'est quoi? Faut quitter dans le colonel en guette. Ne faut pas l'autorité, je suppose que c'est un peu ça. Mais ça m'étonne même, ça m'étonne. Je n'ai jamais vu un imam faire ça ou bien un truc du genre. Mais quand c'est une femme. À l'église, on dit qu'il ne faut pas les femmes en prêcher. Je ne sais pas comment ça se passe dans le courant, chez les musulmans. Mais ça m'étonne. Ça m'étonne, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo, pour voir aussi vos réactions. Nous sommes maintenant 50 000 parlés. Ah! C'est pas. Mais ça m'étonne beaucoup, franchement. Ça, c'est comme une chose nouvelle. Je n'ai jamais vu ça. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois une chose pareille. Surtout venant des musulmans, quoi. Même chez les chrétiens. Bon, je n'ai pas encore vu une femme qui fait ça. C'est surtout les hommes qui font ça généralement.
Bueno, chasser les démons, les délivrances comme ça. Je n'ai jamais vu ça. Bon, pour moi, c'est peut-être une guérisseuse. Ou bien non. J'ai une guérisseuse, une personne qui a reçu des pouvoirs. Ouais. C'est ce qu'on dit souvent. On dit qu'une personne qui a reçu des pouvoirs, peut-être sa grand-mère, ben, un truc comme ça. Et puis qui a décidé de guérir les gens. Mais comme ça ressemble fortement à ce qui se passe à l'église là, ça m'étonne. Surtout, au niveau des commandos, les gens chantent. Les gens tombent. Vous voyez, c'est ce qui fait que on est étonné aussi, on est vraiment beaucoup étonné. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous la connaissez, est-ce que vous savez cette histoire, qui elle est. Si ça vous intéresse, je ferai une fois pour aller en profondeur de cette affaire, pour essayer de comprendre le mystère de ces zones d'opération-là, le mystère, ce qui se cache derrière. Waouh! C'est vraiment étonnant. Waouh, c'était extraordinaire. Merci la fois de regarder cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon pavillon bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs, prenez soin de vous et soyez prêts pour le Seigneur. C'est parti.